il y a beaucoup plus des actes antisémites que des actes anti-musulmans ou des actes anti-chrétiens. Et c'est pour ça qu'on parle justement dans les médias de temps en temps, parce que moi je pense justement qu'on ne parle pas assez. C'est intéressant que vous pensez qu'on parle trop, et moi je pense qu'on ne parle pas assez malheureusement. Vous êtes de quelle télé là? On est de RTV monsieur. Oui, de la télévision du soir. Non, vous ne me filmez pas parce que sinon je la pète votre caméra. Attention, attention, okay. Je la pète votre caméra. Monsieur Zidane, on est sur un lieu public. Tu dégages avec cette caméra. Oh, vous m'agressez? Oui, je t'agresse. Oh, oh, oh. Tu enlèves cette caméra. Je m'en fous, tu enlèves cette caméra. Non, tu enlèves cette caméra. Vous voyez? Tu enlèves cette caméra. Je m'en fous. Tu enlèves cette caméra. Tu enlèves cette caméra, t'as compris? Non, 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 monsieur. Si vous voulez, enlève cette caméra. Nous, on est ici, on peut se trouver. Non, tu fais pas ce que tu veux ici. Oh, 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 t'as compris? Qu'est-ce qui se passe là? J'aime pas vous voir là. Ok, tu verrais. Vous verrez de plus en plus, monsieur Azizar. Dégage. Vous verrez de plus en plus, monsieur Azizar. Arrêtez. Monsieur Azizar. Non, vous partez d'ici. C'est ridicule ce que vous faites. Vous partez. Non, mais pas aux mains, c'est pas bon. Ouais, c'est pas bon. Bon bah là, effectivement, vous venez de voir Aliza qui nous a agressé physiquement. Là, je crois que les choses sont très claires. Donc, protégé par la police, vous notez que les policiers qui sont juste là donc, ne sont pas intervenus. Pourtant, ils ont vu toute la scène. Donc, heureusement, on a les images. Donc voilà, j'étais dans une discussion totalement paisible avec un juif très gentil d'ailleurs, avec qui on a pu discuter. Et Aziza est intervenue en plein milieu de l'interview. Ok, viens, on y va. Et bien, Herbie. Bonsoir. Qu'est-ce que vous venez faire alors? Vous êtes qui d'abord? Nous sommes Égalité et Réconciliation. Ah, bah, c'est des gens qui m'aiment beaucoup ça. Bah écoutez, moi, on est là pour discuter avec vous. C'est avec plaisir. Moi, j'ai aucune inimitié contre personne. Voilà, bah nous non plus. Bah voilà, comme vous le savez, j'étais l'ancien vice-président de la République pendant des années. On vient écouter de la République aujourd'hui. On vient écouter le président de la République. Merci beaucoup. Dis-moi, tu n'as rien à foutre ici, t'as compris? Sinon ta caméra, je te l'ai... Monsieur Azizar, s'il vous plaît. Non, 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 je veux pas être filmé, t'as compris? Monsieur Azizar, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je ne veux pas être filmé. S'il vous plaît. Je ne veux pas être filmé. Mais on vous filme tout le temps. Je ne veux pas être filmé, d'accord? On vous filme tout le temps. Tu dégages, putain, tu dégages. Aïe, aïe, aïe. S'il vous plaît. Aïe, il m'a tapé, j'ai la marque sur mon pantalon. Tu dégages, putain. Monsieur Azizar, arrêtez, s'il vous plaît. La racaille dégage. Vous êtes ridicule, monsieur Azizar. C'est ordure, ordure. Monsieur, nous, pardon, je me de faire frapper. Monsieur, regardez, j'ai encore la trace, là. Monsieur Azizar nous agresse. Qu'est-ce que je viens de me prendre un coup de pied. Qu'est-ce que vous faites pour notre défense, monsieur Azizar nous agresse? Mais il faut les empêcher. Regardez. Messieurs les policiers, ces messieurs nous agressent, nous frappent. Qu'est-ce que vous faites pour notre défense, s'il vous plaît? Messieurs les policiers, vous êtes là pour notre défense. Qu'est-ce que vous faites pour notre défense exactement? Je voudrais savoir. On ne peut pas être sur les réseaux sociaux, sur vos télés de merde. Monsieur les policiers, s'il vous plaît. Non, il n'est pas monsieur les policiers. Monsieur Azizar va nous frapper une nouvelle fois. Qu'est-ce que vous faites pour notre défense? Ça, c'est quoi? Qu'est-ce que vous faites pour notre défense, messieurs les policiers? Vous êtes là pour nous défendre. Vous n'êtes pas là pour défendre, messieurs les policiers, vous n'êtes pas là pour défendre monsieur Azizar. Vous êtes là pour défendre les citoyens français qui se font agresser. Pourquoi vous protégez monsieur Azizar alors qu'il nous frappe, s'il vous plaît? Messieurs les policiers, je vous pose une question. De qui vous parlez, monsieur? Un monsieur qui a parlé à votre collègue et... qui avait la kippa? Ouais. Moi, je suis vraiment de plus en plus surpris, quoi. C'est-à-dire, vous recevez vos ordres de qui? Comment? Je parle de la preuve. D'accord, pas de problème. Pardon? Tu peux éviter de me filmer s'il te plaît? Je vous filme pas du tout. Ah, depuis tout à l'heure, monsieur, tu me filmes. Bah parce que j'ai reçu une caméra monsieur, sur moi. S'il vous plaît, monsieur, vous êtes? Quel regard perçant, monsieur. D'accord, monsieur a le droit de filmer. Je peux pas filmer. Mais monsieur a le droit de filmer sur le public. C'est les instructions qu'on a du commissaire. Oui, merci.